Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Anachronie de Mind Clash Game, quel jeu magnifique. Qui a un bel historique dans la zone jeux de société. C'était un de mes premiers concours que j'ai fait dans la zone. Et je vous dirais que c'est un de mes premiers jeux que j'ai... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'était un jeu qui amenait un thème qui était très intéressant, qui m'a vraiment fait tomber encore plus en amour avec le concept des jeux de société, avec le concept, je pense, du thème, donc d'avoir des thèmes qui sont très originaux et qui sont bien représentés dans un jeu de société. Mais c'est un gros jeu, hein. C'est un jeu, comme j'ai dit, de Mind Clash Games, David Turzi qui l'a designé avec Victor Peter et Richard Amann. David Turzi qui est un de mes designers favoris, qui est devenu avec le temps un de mes designers favoris, qui réussit toujours à bien faire des modes solo pour ses jeux. Il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai présenté un magnifique insert. Un organiseur de la compagnie eRaptor que je me suis procuré en sachant très bien que j'allais éventuellement recevoir la nouvelle extension Fracture in Time. Puis je me suis dit c'est pas si grave si ça rentre pas dans la boîte, mais j'avais comme oublié. Vous savez, des fois Kickstarter nous amène quelques petites surprises. Ben, la surprise, elle est là. J'avais oublié que j'avais finalement changé mon pledge à la dernière minute pour prendre le Infinity Box que vous voyez là. Je ne peux pas... Est-ce que c'est... Ouais, c'est la grosseur d'une boîte de Gloomhaven, puis c'est peut-être même un petit peu plus gros que la boîte de Gloomhaven. Alors, l'Infinity Box, c'est une... c'était le nouveau Kickstarter, l'ancien Kickstarter que les backers commencent à recevoir, qui c'était pas nécessairement une boîte, mais c'est une extension, c'était une amélioration justement de certains éléments du matériel. Fait que, en tout cas, je sais pas si vous êtes prêts à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai quand même regardé, parce que quand j'ai reçu la boîte, quand j'ai ouvert la grosse boîte d'Anachronie dans laquelle c'est arrivé, je me suis dit, j'ai-tu l'extension? Puis là, j'étais pas sûr que j'avais l'extension, parce que j'avais juste finalement pris la boîte, mais je me suis rendu compte que finalement, tout se retrouvait à l'intérieur. Fait que, on va regarder si ça en vaut la peine. C'est vraiment, je vous le dis, assez immense. Fait que dans un premier temps, on a le rulebook, donc le livret d'instructions. J'ai la version uniquement en anglais, donc du jeu, ce qui est pas si grave pour moi. La version originale, je l'avais en version française, mais ce qui semble pas être le cas. Et là, ce qu'on a fait, je pense, avec l'Infinity Box rulebook, c'est vraiment la version 2.0 où on a, je pense, transformé un petit peu le livret pour toutes les petites erreurs qu'il y avait peut-être eu dans la première édition. Ça fait quand même un jeu qui est excessivement complexe, mais quel jeu le fun, avec un concept qui était super cool. Vraiment, là, on a racheté ici les Frequently Overlooked Rules. Puis après ça, je pense que tous les modules, on a ici le Doomsday module qui évidemment venait, je pense, avec l'édition de base et avec l'extension du Exobots Commander Suit, je me souviens plus trop. Fait qu'on a The Guardian of the Council module. Là, il y en a peut-être qui sont nouveaux également, qui viennent avec cette extension. Puis on a The Optional Rule et on a le fameux Chronobot Solo Rule, mais original, donc de la version originale du jeu. Et puis voilà, fait que on pourra jeter un coup d'œil, mais ça fait quand même un livret d'instructions de plus de 40 pages. Donc ça, c'est la première chose qui vient dans la boîte. La deuxième chose, c'est le Chronobot et le Chronosus Solo Opponent. Donc on a amélioré le Chronobot, d'après ce que j'ai cru savoir. On a modifié donc le Chronobot du jeu original. Donc pour ceux comme moi, la présentation que je vous ai faite sur la chaîne, c'est la présentation avec le Chronobot. Mais ils ont rajouté un Chronosus qui est un automa qui est plus complexe, mais qui semble-t-il émite encore mieux donc
le fait de jouer avec un joueur solo, avec un vrai joueur. Là. Puis là, on voit ici qu'on peut utiliser Chronosus avec les extensions et les modules. Donc, on a Fracture of Time qui est ici. Donc, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Doomsday, Pioneers of New Earth, Guardian of the Council, Hypersync Future Action, bon, et etc., etc. Donc, voilà, fait que c'est un livret de 22 pages. Mais, OK, c'est sûr qu'avec le temps, je me suis... J'ai fini par apprécier beaucoup les jeux solo qui n'étaient pas d'une grande complexité, mais David Turzi et Mind Clash Games nous ont habitués à des bots qui sont quand même assez complexes, comme par exemple... J'ai leur jeu ici pas loin, je me rappelle plus du titre là, du jeu où il y a des créatures où le solo est vraiment très engageant, mais il faut passer à travers. Alors évidemment, gros du nouveauté, c'est qu'ils ont rajouté des organisateurs. Et là, on nous a présenté Important, please remove all trays from the box and remove all components from the trays. Laying them out on the table before you start. Oh, alors ça, c'est... J'ai l'intention de vous faire la présentation, OK? J'ai vraiment l'intention de vous présenter la boîte toute remplie. j'ai tout, hein? Fait que on va voir, est-ce que ça rentre bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Puis on voit que j'ai aussi les custom, mais je pense que j'ai pas ici les Resin Energy and Flux Core, là. Mais je pense que j'ai ces affaires-là ici, mais je suis pas certain à 100%. Alors, c'est toujours très apprécié quand ils font ça, par contre, on les remercie beaucoup. Alors, on a de Anachrony Future Imperfect Expansion Rulebook. Alors, l'extension Future Imperfect. Et hein, en voulez-vous des modules, vous pouvez vraiment vous investir dans ce jeu-là quand même d'une façon exceptionnelle. Et on a le fameux Fracture of Time Rulebook qui vient également avec le jeu. Avec Setup Changes, ça a l'air d'être intéressant celui-là, là, mais je dois vous avouer que il va falloir que je... C'est sûr que ce qui est le fun de recevoir ça, c'est que ça va me permettre de ressortir Anachrony et de vous le présenter. Mais des fois aussi, il y a toujours l'idée de qu'est-ce que je fais, tu sais. Est-ce que je vous présente Fracture of Time, Future Imperfect, est-ce que j'utilise des modules? C'est quelque chose. Et là, après ça, on a The Art and Storybook qui a été rajouté dans le Kickstarter. Alors, évidemment, c'est magnifique, là. Je trouve que c'est quand même un beau monde. Et ils ont comme, disons, essayé de créer un monde autour d'Anachrony avec... très beau, hein. C'est vraiment un magnifique livre. C'est toujours le fun de recevoir des beaux petits livres de collection comme ça. Alors, avec un Alternate History, The World, vraiment avec les différents Chronobox, comment les Exosuit Models, comment ils fonctionnent. Alors, très très beau livre. Et là, on embarque dans le vif du sujet. Et Seigneur. Donc là, on a... Je pense que ça, ce sont de nouveaux personnages. Je pense que c'est pas justement les Kickstarter Stretch Goals. Puis là, comme toujours, je suis posé d'ouvrir ça facilement. OK, donc, on a le Captain Wolf. Avec je pense que ce sont les ressources de départ, mais moi, ça fait longtemps que j'ai joué. Hein. On a Eldrin, on a Agenda, Benefit, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Puis c'est la qualité, elle est extraordinaire. Belle carte, beau carton, avec un fini de protection. Liberian Carnel, ouf. Allez, juste le fait de tout ranger ça dans la boîte, ça va être une belle aventure, mesdames et messieurs. Mais regardez, tout plein de nouveaux. De nouvelles informations. On a les Game Phase en anglais. J'aurais aimé ça de recevoir le jeu en français. Je sais pas si j'avais l'option ou pas. OK. Ensuite, on a... Je sais même pas. On a ici un petit... oh là là! Tabarnouche! Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, vous pouvez pas savoir à quel point il y a du stock dans cette boîte-là. En fait, je m'attendais pas à ce que j'ai tant de stock que ça. OK, donc là, on a... Le pire, c'est que je sais pas si c'est Fracture in Time ou... Donc, c'est des blocs d'extension. Alors, j'imagine qu'on va mettre... on se souvient ici des ronds, triangles, carrés. Donc, voilà. Donc, ils sont recto-verso. On a un côté A, puis un côté B.
OK. Il va falloir que je trouve une place pour placer justement tout ça. Puis ça exclut pas tout ce que j'ai dans mon autre boîte. OK, donc ça, c'est ça, je l'ai déjà présenté. Alors, on a un pad pour probablement comptabiliser les points. Je sais même pas s'il y avait ça dans le jeu original. Ensuite, on a des boards. Donc, des boards... Seigneur, mais c'est peut-être, ça va peut-être avec les nouveaux... les nouvelles factions, là. Hein, donc, si on regarde ici, là, ou c'est peut-être des boards qui ont rapport avec un nouveau module aussi, là. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Je me souviens d'avoir vu ça tantôt. Je sais pas si c'était pas dans Future Imperfect Expansion. Non, c'était pas dans Future Imperfect. C'est dans Fracture in Time. On va regarder. Ouais, exactement. Donc, ça vient... donc, ça, c'est les éléments d'extension de Fracture in Time qui vont... il y a beaucoup d'iconographie, hein? Donc vous allez devoir vous habituer à ça. Donc on a un beau petit protège ici. Ensuite, on a un autre module qui est juste là. The Path of Salvation, The Path of Progress. Avec un plateau. En voulez-vous des plateaux? Je vais vous en offrir des plateaux. OK, donc... Donc, on a... Ça semble être des nouveaux boards pour les pour des personnages. Donc, The Path of Progress. Ça, c'est les ressources de départ. Si ma mémoire est bonne, quand on prend ces jetons. C'est là qu'on met la carte de notre commandant là-dessus. Donc, The Path of Unity. Ensuite, on a ici... Tabarnak, voulez-vous des affaires? C'est incroyable. Après ça... On a ici le plateau pour 2-3 joueurs, plateau pour 4 joueurs. Alors, ça doit être un des modules, j'imagine. Un petit peu brisé ici, mais pas si mal. Je me souviens que ce jeu-là, on finissait par bien, je pense, comprendre toute l'iconographie. L'aspect artistique est vraiment magnifique. OK, là, on embarque dans les jetons. On n'en plus finir. Puis après ça, je sais pas si c'est juste les tricks en dessous. Puis je vais essayer après ça de tout insérer tout ça à l'intérieur. Puis on verra qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. est-ce que tout va rentrer? OK. Donc un autre petit plateau. On a un autre ici. Ça semble être un genre de conseil, d'après ce que je peux voir. Mais je pense que ça, c'est le plateau de celui que j'ai vu tantôt, là. Oh mon Dieu. Future Imperfect Rulebook. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça s'appelle The Council Chamber Board. Alors, je ne me suis pas trompé par rapport à ça. Et là... OK, bon, fait que... Une bonne multitude de jetons. Encore. Très bonne qualité, mais mince peut-être un petit peu. Mais ils ont tous un petit fini tissé, là. Donc, un petit fini de protection avec les fameux. Je pense que ça, ce sont les nouvelles ressources de Future Imperfect. Je peux pas vous dire exactement c'est quoi ces ressources-là. Alors, ça, je me souviens que ce sont des genres de contrats, des genres de choses qu'on doit accomplir pour pouvoir gagner des points. Mais là, ils sont rouges, puis on semble perdre des points cette fois-ci. Alors, voilà d'autres... En voulez-vous des petits jetons? Je vais m'amuser. Hein? Je vais m'amuser dans les prochaines minutes, avant de finir la vidéo, pour tout bien rentrer ça, puis vous présenter ça. Puis je vais peut-être avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'ensemble de la chose. OK. Mais là, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on a d'autres plateaux ici. Mais ça semble être les plateaux... Ça semble être les plateaux du Chronobot que je vous ai parlé tantôt. Donc, je sais pas si c'est le Chronobot version améliorée avec le Chronosus. Ça aurait été le fun s'ils les avaient inscrits dessus. Mais ça y ressemble vraiment beaucoup. Là. Je me souviens que... On plaçait les fameux jetons dessus, puis là, ça revenait. Puis j'aimais vraiment beaucoup la façon que ça fonctionnait. Donc voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis ça, je suis pas mal certain que c'est peut-être le Chronosus
qui est la version un petit peu plus complexe de l'Automa. Donc on a une version A et une version B, ou peut-être que c'est un autre plateau, évidemment. Alors ici on a c'est pas Game Trace, mais ça y ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on a une multitude de nouvelles cartes. Mais quand je dis une multitude, c'est quand même... Le mot est pas très fort ici. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, différentes cartes, si je me souviens bien, sont toutes mélangées en plus. Donc, ça n'a pas changé par rapport à la première. Elles ne seront pas toutes réunies ensemble. Donc, on a différents types de cartes. Comme vous pouvez voir, là. Ouf! Ouh là là! Vous savez, des fois, quand on fait des déballages, ça... Tu sais, je suis tout excité d'ouvrir ça puis de voir tout le matériel qu'il y a dans ce jeu-là. Mais en même temps, ça me fait un petit peu peur en même temps de voir tout ça, là. Si on regarde ici l'autre côté, donc je pense que ça a rapport avec... Ça semble avoir rapport avec l'Automa, là, les nouveaux Automa peut-être. En tout cas, on aura l'occasion de le voir. Ensuite, d'autres cartes ici... de neurostimulation. On va juste regarder ce qu'il y a ici en attendant. Ah, les belles petites gouttes d'eau. On va avoir besoin. Ensuite de ça, des petits standees. D'autres petits standees. Et évidemment, nous avons aussi des dés. Mais deux nouveaux dés d'ailleurs. Bon, attends, il y en a un que c'est un dé de 1 à 6. Là. Ça ressemble beaucoup au dé du Chronobot. C'était la seule raison, je pense, pourquoi on utilisait le dé. Mais l'autre, c'est un dé un peu spécial. Bon, on avait des dés aussi avec des plus, des moins dans la version originale. Donc, deux dés supplémentaires. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres choses de cachées en dessous ici? Oh! OK! Ah, c'est intéressant! Ah, ça, j'aime ça! Donc, ils ont vraiment... Ils ont fait une présentation là, avec... donc, il y a comme les différentes ressources. Donc, ça va faire du bien. Ça va même faire beaucoup de bien, je dirais. Et là, ça... Oh, OK. Donc, je sais que dans la version Kickstarter, ils nous ont donné donc les nouvelles ressources en acrylique. Oh, wow! C'est vraiment magnifique. Alors, ce sont les mêmes petits jetons de ressources, mais là, ils sont en acrylique. Et ils sont quand même de magnifique qualité, très, très bien faits. Et là, on en a pour tous les goûts et tous les styles. Tout semble être là. OK. Puis, on est supposé d'avoir aussi... ça, c'est supposé d'être des ressources. Et ce sont des blocs de métal. Ils sont très lourds. C'est vraiment cool. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ça a été rajouté dans toutes les pledges Kickstarter à cause des stretch goals. OK, puis après ça, encore des petits jetons en acrylique. Et là, ça, c'est les fameux jetons qu'on bouge, qu'on va bouger là sur le plateau, qui sont minuscules. Alors là, on les a mis avec une... Je sais pas si vous regardez, c'est comme surélevé un petit peu. Donc, très belle pensée. Très bien. Et toutes... une belle place ici. Alors, pour mettre plein de ressources. Puis, oh, il y a l'air d'avoir un tray qu'on met en plus par-dessus. Bon, écoutez, je suis assez ébloui par la magnificence de cette boîte-là. Et après ça, ben, le fond... Ah, mon Dieu, il y a un autre fond. Mais ben, voyons donc. Oh là là, c'est sûr que là, on est tard en soirée. C'est sûr que je vais probablement finir ma vidéo demain. Parce que. Et là, on en a. Est-ce que c'est tout après ça? Est-ce que c'est le fond de la boîte? Non! C'est pas le fond de la boîte encore! Eh Seigneur! OK, là, c'est une joke, hein? C'est une véritable farce. Et vous. Ah, on a des figurines de cachet en dessous. Alors, ce sont des nouvelles figurines, je pense, qui viennent avec une des nouvelles factions. Oh wow, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont incroyables. Si vous vous souvenez bien, c'est là-dedans qu'on va placer les fameux
les fameux personnages. Ça, j'ai toujours trouvé ça depuis le tout début. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et là, j'imagine que c'est dans les autres qu'on va placer les fameuses figurines. Ouf, écoutez, c'est le bordel, comme on pourrait dire. C'est incroyable. Je vais essayer de tout remplir ça. Je vais suivre les instructions, mesdames et messieurs. Moi, je vous revois. Vous autres, ça va prendre quelques secondes. Mais moi, je vous revois dans plusieurs jours, je pense, pour vous montrer la boîte finale donc de Anachronie Infinity Box. Alors, je reviens dans quelques instants. Bon, voilà. Fait que ça fait exactement quelques secondes que vous attendez. Mais moi, je vous le dis, nous, on est rendu le lendemain. J'ai passé hier soir au moins 2 heures de temps à faire tout le tri de ce que vous allez voir. Puis, je vais vous donner mon commentaire en même temps sur cette boîte-là, sur ce que j'en pense en général. En passant à la grosseur de la boîte, là, j'ai remarqué ça hier. Je pense que c'est même un petit peu plus gros que la boîte de Gloomhaven, juste pour vous dire à quel point c'est une énorme boîte. Mais tout rentre vraiment bien à l'intérieur, donc j'ai tout placé donc le matériel. Alors nous avons ici les différents livrets d'instructions donc qui rentrent très bien. Ensuite, il y a vraiment une façon là bien spécifique de rentrer, de mettre les fameux plateaux. Puis je vais vous dire une des problématiques que j'avais, fait que on a ce fameux bon toutes les plateaux de toutes les extensions, le jeu au grand complet, donc tout rentre là et tout fonctionne quand même très bien. Mais là, ma problématique quand j'ai placé ça ici, puis j'avais pas compris avec ça, c'est que bon là j'étais comme je place ça de même au début, puis là, après ça j'ai mis ça comme ça, puis j'étais comme voyons c'est ridicule, pourquoi tu sais ils peuvent pas avoir fait une boîte puis ça rentre pas. C'est là que j'ai remarqué qu'après ça il avait vraiment fait un petit espace en dessous de l'organiseur là pour pouvoir mettre ces plateaux là. Alors ici on a l'ensemble de toutes les cartes qui sont là, puis c'est vraiment spécifiquement là les choses sont vraiment à leur place selon ce qui est indiqué dans le fameux livret. Donc ça c'est un des éléments de l'extension Fractures in Time. Alors ça vient avec ça, puis on avait une autre place ici comme vous pouvez voir, donc toutes les petites cartes qui vont là. Ensuite de ça, bon, on a tous les plateaux de joueurs qui sont là également. Moi, j'ai décidé de conserver les papiers blancs. Je pense que j'imagine que c'est mieux de le faire. Alors là, ici, ben, on a tout l'ensemble des fameux... donc, vous voyez ici, donc les dés qui sont toutes là. On a les projets spéciaux qui sont là avec les fameuses flèches là qui nous indiquent le temps. Donc, tout rentre bien là-dedans. Donc, ça, c'est quand même bien. Là, ici, on a tous les fameux bâtiments. Là. Vous savez que dans Anachronie, un des concepts, c'est de bâtir des bâtiments que j'ai toujours trouvé un petit peu drabe et un peu... pas ennuyant, mais je veux dire... si je suis capable d'enlever, parce qu'on sait qu'on est en train de bâtir ici un bâtiment spécial, mais on voit pas vraiment le bâtiment en tant que tel. Ça, c'est pour des bâtiments spéciaux qui viennent avec l'extension ici. Vous voyez, c'est comme il y a un petit éclair qui est là. Ça aussi, c'est des éléments d'extension. La seule affaire qui est mal faite que je trouve, là, c'est qu'on a ici les agendas Benefits qui venait aussi dans cette nouvelle boîte. Donc on a des belles cartes à placer ici qui, je me rappelle bien, sont des cartes de contrat. Je pense que c'est des genres de cartes d'automa, mais il y a des flèches qui changent sur ces cartes-là. Fait que j'imagine que ça doit avoir rapport à quelque chose. Et là, ici, quand on les place, ben ils ne fitent pas complètement. Là, je veux dire, on voit que ça va tomber, donc il faut que je les accote là. Bon, c'est pas si grave, là, je vous le dis, c'est du nitpicking un petit peu. Mais quand même. Fait qu'on a ça qui va embarquer là. Ensuite de ça, bon, on a ça, c'est l'extension Fractures in Time spécifiquement. Pas mal tout ce qu'il y a de Fractures in Time sont dans cette partie-là. Puis c'est quand même assez bien pensé pour qu'on ait mis les 2D de l'extension. Vous voyez les 2D de l'extension qui sont ici puis sont là. Et regardez ça, c'est quand même bien fait. Donc on a placé différents bâtiments, ce qui est un peu...
Ce qui est un peu bizarre, c'est que dans le livret, ils ont comme switché les deux côtés, mais ça marchait pas. Donc, il a fallu que moi, je le fasse. Mais quand tu mets ça par-dessus, mais tu t'assures qu'il n'y a plus rien qui passe. Et ça, c'est vraiment l'image de l'extension. Donc, ça rentre très bien. Ensuite, si on regarde ici, ben là, ça, c'est toutes les ressources. OK, toutes les ressources sont là. Donc, on a les bâtiments. Pas les bâtiments. Mais les ressources, elles sont toutes bien indiquées ici. Et là, moi, j'ai laissé de côté les anciennes ressources en carton que j'avais. Donc ça, c'est les nouvelles ressources de Fractures in Time. Alors, on a ça ici. Donc, on a les fameuses gouttes d'eau. Et ça, c'est les nouveaux cubes qui sont en métal. Donc, que j'ai classé ici. Alors, tout est là. Tout est bien identifié. Ça, c'est toujours très fun. Alors là, ici, ce sont les différents travailleurs, donc les travailleurs qui sont tous placés à l'intérieur. Ce qui est beaucoup mieux que ce que j'avais comme organiseur de E-Raptor, où tout était un peu mélangé. Là, j'ai vraiment ça à l'intérieur. C'est pas de la qualité Game Trace, je dois vous avouer. Game Trace, ce qui est le fun, c'est que quand on met les dessus de plateau, ça clique ensemble, mais là, ça n'a pas nécessairement été fait. Et là, celui-là, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Là. Il y a comme... Bon, c'est comme si ça se défait. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi la signification de ce plateau-là. Mais on peut placer ça là-dessus. Puis c'est là que on a donc les marqueurs de points. Puis là, ben, j'avais justement oublié où j'ai mis mon marqueur. J'avais un petit marqueur de points que j'avais oublié d'embarquer. Donc, les marqueurs de points. On a les fameuses symboles ici. Donc, on a tous les bâtiments de base, donc du jeu de base, qui sont tous bien placés. C'est sûr que c'est pas fait, je pense, nécessairement pour qu'on les prenne directement là-dedans, mais en tout cas, j'imagine que ça peut se faire. Puis tout est, encore une fois, là, je sais pas si vous le voyez, là, mais tout est bien identifié sur le dessus du plateau. Puis là, ben, après ça, ce qui nous reste, c'est... Question? Oh, oui, ben, merci beaucoup. Alors, c'est tout ça ici. Donc, ce sont les fameux plateaux en lien avec chacune des figurines et chacune des paths. Donc ici, on a le Path of Progress. On voit que ça va dessus. Ça se place quand même bien dessus. Alors, on a les figurines qui vont juste là. Puis, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans le jeu. Donc, on a toutes les cartes qu'on a besoin. Ça ici, c'est nécessaire, même si on les utilise peut-être pas tant que ça, là, mais ça, on les prend, puis comme vous pouvez voir, donc ça permet de vraiment bien fermer cette section-ci. Et là, à l'intérieur, on a les jetons qu'on a besoin. Moi, j'ai les fameuses ressources en acrylique qui viennent avec cette extension-là. Alors, tout ça, ça se place super bien, comme ça, sur le dessus du plateau. Voilà. Puis... et là, on a ça qui se ferme superbement bien. Alors, on a ici le Path of Harmony. Puis, tout a bien rentré à l'intérieur. Fait que ça, c'est la nouvelle gang. On voit, c'est The Path of Unity qui vient avec cette nouvelle extension-là, avec les magnifiques figurines. Et puis après ça, ben, je ne les sortirai pas toutes, mais on en a un autre avec les trois autres qui sont en dessous. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment... c'est une belle boîte. C'est une boîte qui est fonctionnelle. C'est une boîte où on peut justement sortir les différents trays et pouvoir les utiliser. Par contre, comme dans n'importe quel jeu de ce type, quand on commence à ajouter comme ça des... quand on ajoute des extensions, ben ça fait en sorte que votre placement risque d'être un petit peu plus long. Hein? Mais tout se retrouve maintenant dans une seule boîte. Et puis, moi, de mon côté, je peux vous dire, ça me satisfait vraiment très, très, très bien. Fait que, voilà. Hein, donc, je vais replacer ça ici avec les fameuses cartes, comme je vous disais tantôt. Ça va là, ici, comme ça. Et voilà, mesdames et messieurs, mon Dieu. Voilà, je vous refermerai pas la boîte au grand complet, là, mais vous avez ici, mesdames et messieurs, donc la boîte. Là, ça va juste ici comme ça. Alors, je vous ai présenté le déballage donc de la fameuse Infinity Box.
Fait que voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. C'est une petite présentation. C'est vraiment un aspect de collection que je suis très content d'avoir. Et puis, j'espère pouvoir vous le ressortir très bientôt pour vous présenter le nouveau Solo et de pouvoir vous présenter également peut-être quelques nouveaux modules, dont l'extension. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire Level Cœur au www.levelet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et évidemment, si vous voulez un chandail à l'effigie ou un t-shirt à l'effigie de la zone de jeu de société, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir trouver le lien pour pouvoir vous en commander un. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt.